Selon les lois canadiennes, les États-Unis doivent présenter une demande officielle avant le 30 janvier. Une fois reçue, un tribunal canadien dispose de 30 jours pour déterminer si le pays doit l'approuver. Le Canada n'a donné aucune indication aux États-Unis qu'il refuserait son application. L'arrestation a détérioré les relations entre le Canada et la Chine, tandis que Beijing a qualifié d'abusive la décision de Washington. Le Canada et les États-Unis ont abusé de leur accord d'extradition, menacé la sécurité d'une ressortissante chinoise et violé les droits légitimes de Meng Wanzhou. Des mots forts à la suite de rapports faisant état d'une demande d'extradition formelle des États-Unis à l'encontre de Meng Wanzhou. La directrice financière de Huawei est actuellement en liberté sous caution au Canada, après son arrestation en décembre pour des violations présumées des sanctions américaines contre l'Iran. Nous appelons à la libération immédiate de Meng Wanzhou. Nous exhortons également les États-Unis à révoquer cette arrestation et à cesser de procéder à une extradition formelle. Huawei a déclaré dans un communiqué qu'il surveillait la situation de près. Le géant chinois des télécommunications a rappelé qu'il se conformait aux lois et règlements de tous les pays et régions où il opérait et qu'il avait toute confiance en un résultat juste. Cependant, le PDG de Huawei, Zhen Zhengfei, qui est aussi le père de Meng, a déclaré à la télévision centrale de Chine que cela pourrait prendre un certain temps. Nous avons parlé au téléphone et partagé des blagues. Je tiens à remercier le parti et l'État de protéger les droits d'une citoyenne, mais le règlement de cette affaire prendra beaucoup de temps. Le Canada décidera en dernier ressort si Meng sera extradé ou non. Elle a également le droit de faire appel. Mais Beijing a déclaré qu'il s'agissait d'une grave erreur dès le début. Les fonctionnaires estiment en effet que l'arrestation de Meng n'est pas une affaire judiciaire ordinaire.